Trois jours après l'annonce fracassante de Meghan Markle et du prince Harry, la surprise et le choc sont toujours de mise. Le couple a déclaré dans un communiqué mercredi 8 janvier vouloir prendre ses distances avec la famille royale, souhaitant être financièrement indépendant et vivre une partie de l'année en Amérique du Nord. Une décision inédite au sein de la couronne, qui a laissé ses membres les plus éminents, la reine, son fils Charles, l'héritier direct, et son petit-fils William. Tous trois sont, selon la presse britannique, furieux, une colère d'autant plus intense que la monarque n'a été mise au courant de cette annonce que 10 minutes avant qu'elle ne soit rendue publique. L'heure est désormais à l'interrogation, pourquoi Meghan et Harry ont-ils pris une telle décision? Si l'on sait que le couple n'était pas heureux, se sentait indésirable, selon des proches, la duchesse, autrefois très engagée qui a dû étouffer sa voix depuis son entrée dans la famille royale, souffrait de mutisme et de solitude. Ce n'est pas la vie que Meghan veut pour Archie, selon une source. Une autre raison aurait poussé le petit-fils de la reine et son épouse à s'écarter de la couronne. Celle-ci se nomme Archie. Les parents du bébé né en mai 2019 ne voudraient pas élever leur fils conformément au protocole. Meghan s'est déjà fait un nom avant de se marier et d'intégrer la famille royale. Mais elle n'avait pas pris conscience de l'énorme responsabilité qui incombait en intégrant la monarchie, selon un formateur auprès de Radar Online. Il continue, elle a réalisé que ce n'est pas ainsi qu'elle veut vivre sa vie, en particulier pour Archie, ce n'est pas la vie qu'elle veut lui offrir. Ce que veut la duchesse de Sussex, si est-il plus d'indépendance, se servir de son statut de star et de son influence pour œuvrer en Amérique du Nord. Elle veut moins de royauté, plus de Hollywood, résume l'informateur. Times through the rough times I